Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka qui vous parle et aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de très joli. On est un Shabbat spécial, on est la Paracha Tsav, mais aussi, on est un Shabbat spécial dans toute l'année. C'est le seul Shabbat qui s'appelle comme ça, Shabbat Hagadol. Répétez avec moi, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Et on va voir ensemble pourquoi. Dans la Paracha Tsav, vous savez que dans la Torah, on a 5 livres. On a déjà fini le premier livre, Bereshit, le deuxième, Shemot, et on est en train de lire le troisième livre de la Torah, le livre de Vayikra. Et dans le livre de Vayikra, on en est à la deuxième paracha, Tsav. Dans la paracha Tsav, on nous raconte comment les Juifs ont construit une belle maison à Hachem et surtout, comment ils ont commencé à lui donner des cadeaux, les animaux, les sacrifices, les corbanotes. Voilà la belle maison d'Hachem, le Mishkan. Aaron a été choisi pour être le Kohen Gadol. C'est lui qui allait offrir à Hachem les beaux sacrifices, les très très beaux corbanotes. Et tous ses enfants de Aaron allaient être les Kohanim qui allait travailler avec lui. On avait plusieurs Kohanim idiotes, mais qu'un seul Kohen Gadol à Aaron. À Aaron, tout le peuple juif, tout le monde est venu, et on ne savait pas comment faire. Alors Moshe a dit, ne vous inquiétez pas. Hachem m'a expliqué comment offrir les korbanot, les sacrifices, les animaux sur le Mizbéach. Je vais tout vous expliquer. D'abord, il a pris tous les Kohanim, et il les a balancés. Il leur a mis aussi de l'huile pure sur la tête, ça a coulé. Et ça voulait dire, voilà, maintenant que tu as reçu l'huile, maintenant que tu as été balancé, Hachem t'a choisi et tu peux commencer à travailler dans le Mishkan. Et pendant une semaine entière, chaque jour, Moshe Rabbeinu, il leur a montré comment faire les corbanotes. Vous voyez comment on fait? Et tout le peuple juif, il écoutait, ils étaient heureux. Aaron, il a bien écouté Moshe et il savait comment faire. Et quand Aaron, enfin, il a commencé au bout d'une semaine à offrir lui-même les corbanotes, Hachem, il était tellement heureux qu'il a envoyé le feu qui descendait du ciel pour prendre le corban et le brûler et dire « Merci pour le cadeau, ça me fait très plaisir. » Hachem, il a demandé au Kohanim quelque chose de très important, que sur le Mizbéach, on ait toujours, toujours, toujours un feu qui brûle. Et ça, en fait, Hachem, il voulait nous dire un petit secret. Il faut que nous, les enfants, dans notre cœur, on ait toujours un feu qui brûle pour Hachem. On aime tout le temps Hachem. Le feu, c'est l'amour d'Hachem. Hachem, je t'aime. Hachem, t'es mon chéri. Je veux faire des mitzvot avec joie. Et là, Hachem, il est content. C'est comme si on lui offrait un korban. Parce que maintenant, il n'y a plus le Beth Amikdash, mais on peut lui offrir le feu de notre cœur, l'amour qu'on a pour Hachem, et lui dire tous les jours, je t'aime Hachem, et je vais te donner plein de mitzvot. Ensuite, les enfants, il y a quelque chose dans la paracha de Tsav, c'est quoi? C'est qu'Hachem nous a dit, les juifs, interdit de manger du sang. Alors, quand on prend de la viande, on met du sel sur la viande, et ça fait sortir tout le sang. On n'a pas le droit de manger du sang. On doit aussi vérifier dans les œufs. Quand on prend un œuf, tu qu'on regarde de tous les côtés, il n'y a pas de sang, on peut le manger. S'il y a du sang, on le met à la poubelle. On ne boit pas le sang, on ne mange pas de sang. Nous les juifs, c'est interdit par Hachem. Et ça, c'est dans la paracha Tsav. Une dernière chose, les enfants, que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Parce qu'il y a eu un grand miracle ce jour-là. Hachem, il avait demandé à tous les juifs de prendre un agneau et de l'attacher au pied du lit. Alors les juifs, bien sûr qu'ils voulaient écouter Hachem, tout de suite ils sont partis. Et ils ont dit, allez, on va acheter. Plein de juifs sont partis en Égypte et ils ont commencé à acheter des agneaux. Allez, on va acheter l'agneau, le corban de Pessah. Les Égyptiens, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez acheter des agneaux? Vous savez que l'agneau, c'est des dieux pour nous. N'importe quoi. Un agneau, c'est pas un dieu. C'est que Hachem, le vrai dieu, il n'y en a que un.
Mais les Égyptiens, ils disaient des bêtises. Ils disaient que c'était un dieu. Et ils n'étaient pas contents. Oh, tous les Juifs, ils achètent des agneaux, ils écoutent leur dieu. Mais nous, on dit que c'est un dieu. Et les Juifs, ils avaient même pas peur. Ils écoutaient Hachem. Alors, les Égyptiens, ils ont dit, pourquoi vous achetez un agneau? Comment ça se fait que vous achetez l'agneau? Alors, les Juifs, ils leur expliquaient. On achète un agneau. Le voilà l'agneau. On achète un agneau pour l'attacher au pied de notre lit. On va l'attacher au pied de notre lit pendant 3 jours. Et ensuite, on va le faire griller. Parce qu'Hachem, il nous a dit de manger un agneau de Pessah et de mettre son sang sur les linteaux de la porte tout autour. Parce que Dieu, il va envoyer la plaie des premiers-nés. Et tous les premiers-nés vont mourir, égyptiens, sauf les juifs. Parce que les égyptiens, ils ont fait beaucoup souffrir les juifs et Dieu, il veut les punir. Quand les égyptiens, ils ont entendu ça, ils ont dit « Paro, Paro !» Oui, qu'est-ce qu'il y a, mes chers égyptiens? On veut pas mourir, arrête! Laisse partir les juifs! Et Paro a dit « Non, non, et nous ?» Il avait le cœur trop dur. Alors les égyptiens ont commencé à se battre entre eux. Et beaucoup d'Égyptiens qui avaient été très méchants avec les Juifs ont été battus ce jour-là. C'était un grand miracle pour les Juifs. D'abord, que les Égyptiens se sont battus entre eux et ils n'ont pas embêté les Juifs. Et en plus, tous les Égyptiens qui voulaient empêcher les Juifs de prendre le corban de Pessah, l'agneau de Pessah, ils n'arrivaient pas. Dieu, il les bloquait. Quand ils essayaient de venir avec un couteau, ils étaient bloqués. Quand ils essayaient de venir pour les attraper, ils n'arrivaient pas. Hachem, il protégeait les Juifs parce que les Juifs, ils les écoutaient et ils prenaient l'agneau de Pessah. Et ça, c'est le grand miracle qu'il y a eu Shabbat Hagadol. Et nous aussi, les enfants, ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol. On se rappelle de ce miracle et on se rappelle aussi que Hachem, il va nous faire à nous des miracles et il va nous envoyer Mashiach. Peut-être que c'est ce Shabbat. Alors, venons rajouter des mitzvot et comme ça, on va pouvoir faire venir Mashiach très bientôt. Shabbat Shalom et joyeux Shabbat à... Gadol.